tuer la paix d'abord. Toi qui n'aimes pas les Arabes, toi qui n'aimes pas les Blancs, les Noirs, les Gitans, les SDF, toi qui n'aimes pas les Chinois, toi qui trompes ton mari, ta femme, toi qui l'as avorté, toi qui te drogue, toi qui te pique, où vas-tu aller après ta mort? Toi qui es franc, qui fraude, où vas-tu aller? Toi qui es déjà avorté, l'avortement est ta mort, où vas-tu aller? Parce que tu dis dans la Bible, ce qu'un homme s'aime, il le moissonnera. Si tu tues, tu te jugeras. En général, les hommes ne veulent jamais être trompés. T'es jaloux, c'est pas possible de tromper ton copain, ton mari. Pourquoi tu le trompes? Alors que tu veux pas qu'il te trompe. Sois fidèle. Aimez-vous les uns les autres. Et cela a été le message de Jésus-Christ. Il y a 2015 ans, Jésus-Christ est monté sur la croix. Il est mort sur la croix pour sauver les hommes. Et quand il est monté sur la croix, il a dit, Père, pardonne les humains. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font. On prend l'alcool, on fume. Alors qu'ils crient sur les tubes, cigarettes électroniques. Les hommes sont malades. Même les dames, j'ai ma suite, vous voyez. Même les gens insultent. L'homme est méchant. L'homme est dépourvu d'intelligence. Au paradis, il n'y a pas de pédophile. Il n'y a pas actuellement, mes amis, des pécheurs. Il faut d'abord se repentir sur la terre pour être pardonné par Dieu. On ira tous au paradis. On n'ira pas tous au ciel. Tout le monde n'ira pas au ciel. Monsieur Pondarès nous a menti. Tout le monde n'ira pas au ciel. Pour aller au ciel, il faut donner son cœur à Jésus-Christ. Vous verrez. Vous verrez. Écoutez. Écoutez. Rien ne changera. Rien ne changera. Ça sert à rien. Nous sommes à la fin. Rattrapez-vous. Revenez à Dieu. Donnez vos cœurs à Dieu. Car ce qui détruit le monde, c'est vos violences. C'est la haine. C'est la haine. Seul Dieu peut changer la France. Les manifestations, ça sert à rien. Amen. Aujourd'hui je les aime. Alléluia.
libéré du péché. Alléluia, Jésus est vivant. Ne croyez pas que nous sommes des pauvres. Alléluia. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on prie Dieu, amen, il faut forcément être pauvre. Alléluia, oh, mes amis. Jésus est vivant. J'étais un ancien footballeur. Alléluia. Je couche avec les femmes auparavant. Jésus t'a changé. J'ai une maladie terrible. Alléluia. M'a foudroyé jusqu'à l'hôpital. Amen. J'allais mourir, mon ami. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus est vivant. J'ai crié, oh mon Dieu. Alléluia. J'ai pas crié aux femmes. Amen. J'ai pas crié au président. Il me connaît pas. Alléluia. Jésus est vivant. La Bible dit. Alléluia. Ephésiens chapitre 3. Amen. Au verset 11 à 12. Alléluia. Oh. Jésus est vivant. Dieu dit. Alléluia. Il a mis la pensée de l'éternité. Amen. Dans le cœur de l'homme. Alléluia. Jésus. Nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. La troisième guerre arrive. Jésus revient. Il revient chercher le juste et il jugera le monde. Et dans ce monde, il y a le péché et les pécheurs. Et dans ce monde, comme à l'époque de Noé, Dieu veut sauver tout le monde. Ce soir, je ne prêche pas une religion. Je ne prêche pas une secte. Je te prêche ce soir que tu peux mourir ce soir où tu vas aller. Où tu vas aller, toi qui n'as pas la même nature que Dieu. Dieu est saint. Et tu sais, vous sentez? Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, les justifier, les gracier. Mais il faut qu'ils le veuillent. Et beaucoup ne veulent pas de Dieu. Le but de venir à Jésus-Christ, c'est vrai, ça fait mal, il faut abandonner le péché que tu aimes, la masturbation, la pornographie. Ça, on aime ça. On aime fumer, on aime taper la police. Ça, tu aimes ça, mais tu dois abandonner ces choses. Sans être repenti devant Jésus-Christ, tu seras condamné à l'enfer, à un lac de feu pour l'éternité. La Bible dit que Dieu créa la terre par sa parole. Il créa l'homme de la poussière. Et tu vas mourir un jour, monsieur, madame. Voilà pourquoi je te prêche l'évangile. Parce que Dieu vous aime tellement. Il aime tellement la terre. Mais les hommes ont préféré la guerre. Ils ont préféré vendre leur corps pour un peu d'argent. Ils ont préféré tuer par l'avortement. Ils ont préféré Subriaga, tuer Bouba. Voici ma génération. Une génération alcoolique. Une génération qui aime fumer. Et après que la mort arrive, ils crient tous au nom de Dieu. La vie éternelle n'est pas dans le Coran. La vie éternelle se trouve dans la Bible. Mes amis, vous croyez que Dieu est fou pour donner aux hommes la Bible et le Coran? Vous pensez que Dieu est fou pour donner aux hommes toutes ces religions? Dieu n'a pas créé les religions. Ce sont les hommes qui ont créé ces sectes et qui ne révèlent pas Dieu. Jésus est l'amour. Lui seul a commis aucun péché. Lui seul a dit aime ton prochain comme toi-même. Lui seul a dit d'aimer nos femmes comme lui nous a aimés. Mais aujourd'hui les hommes sont polygames. Ils ont 10 femmes, 15 femmes, 12 femmes. Alors que Dieu, là, mes amis, n'a pas créé Adam et Ève. Mes amis, le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour nous sauver. Ne pensez pas que Dieu est catholique. Ne pensez pas que Dieu est dans l'islam, ou le bouddhisme, ou à la Mecque, ou dans le ramadan. La preuve des péchés sont même pas ôtés. Tu fumes toujours la cigarette et tu fais 10 prières par jour. Tu es toujours dans la polygamie et tu pries 10 fois par jour. Tu trompes toujours ta femme et tu pries 10 fois par jour. Comment va prier Jésus? Jésus n'est pas à l'église, il n'est pas à la Mecque, il n'est pas dans les mosquées. Dieu veut se révéler à ton cœur. Dieu veut une relation avec ton cœur. Il veut te chérir. Et je vous dis la vérité, la mort frappe tous les hommes. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être gitan, tu peux être millionnaire comme Johnny. Tu mourras aussi. Voilà pourquoi le plus important, c'est de préparer son après-vie terrestre. Comment? Pas en étant religieux. Parce que lorsque Dieu a créé les hommes, il n'a nullement créé l'homme
pour que l'homme soit catholique, pour que l'homme se baptise étant bébé. Un bébé, c'est pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Les hommes prient des statues aujourd'hui dans les cathédrales. Les hommes prient la Vierge Marie. Les hommes prient à la Mecque. Les hommes prient à Lourdes. Mes amis, ce n'est pas ce que Dieu a laissé aux hommes. Dieu, mes amis, a laissé aux hommes sa parole, la Bible, que Dieu a donnée aux hommes. Car la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Tu veux savoir comment Dieu a créé la terre et le ciel? Prends la Bible. Dieu a laissé une notice à l'homme. Mais l'homme refuse la notice. Dieu a été affligé parce qu'il aime tellement les hommes. Il aime les blancs, les arabes, les noirs, les SDF. Il aime tout le monde. Et il veut simplement les ramener à son image. La paix, la douceur, la fidélité. Mais comme il n'y a plus de fidélité, c'est le sida qui règne. Voyez comment il y a décidé un jour. Tellement que les hommes trompent la femme, il y a le sida aujourd'hui. Parce que l'homme veut goûter ailleurs. Tu goûtes ailleurs que dans la maison. Pourquoi? Parce que tu es possédé par le diable. Le diable existe. Et crois-moi, si tu fumes la cigarette, il te tient lié. Tu n'es pas libre, monsieur. Aucun homme n'est libre. Voilà pourquoi Jésus est venu pour libérer les hommes de la captivité, de la masturbation, de la captivité, de la violence sociale. Ce soir, tu parles pour être aimé, je m'en fous de toi. La laïcité qui te bat, c'est faux. On parle de Perlo et la Carrefour, on parle de pape, ce pays n'est pas laïque. La preuve, à Carrefour, on vend la viande halal. C'est laïque ça, c'est pas laïque. Alors que la France est un pays judéo-chrétien. Mais aujourd'hui, c'est l'islam qui prend la place. Pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole, il y a les biens. Mes amis, c'est terrible. Vous savez si vous parlez néanmoins ici. Voilà pourquoi ce soir, je prêche la Bible. Dieu a donné une seule parole aux hommes, la Bible. Quand j'étais voyou, tu n'étais pas là pour moi. Quand j'étais adultère, tu n'étais pas là pour moi. Quand j'ai failli mourir, tu n'étais pas pour moi. Jésus m'a guéri. Oh, mais ça, c'est de la maladie. Jésus guéri. Si tu es dépressif, si tu es alcoolique, si tu es pédophile, tu marques les femmes de femme de 15 ans, Jésus peut te délivrer parce que tu es pédophile. La Bible dit que si tu meurs de péché, c'est l'enfer. Mes amis, peu importe ta grandeur, peu importe ta beauté, peu importe ton éloquence, tes diplômes, un jour ton cœur va s'arrêter, mon ami. Et c'est après la mort que les choses sérieuses débuteront pour ton âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui ira en enfer, c'est ce que Dieu dit. Malheureusement, très peu seront sauvés du péché. Très peu ouvriront leur cœur à Jésus. Celui qui sauve, celui qui délivre. Nous sommes vivants ce jour. Le soleil s'est levé, quoique la terre tourne, le soleil ne se lève pas. Tu as vécu aujourd'hui ta vie jusqu'à 17h20. As-tu pensé à Dieu? As-tu dit merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé qu'il te donne, pour tes enfants qu'il te donne, pour ta femme? As-tu dit merci à Dieu ou as-tu fumé la cigarette? As-tu dit merci à Dieu ou as-tu dit des gros mots toute la journée? Des gros mots, des gros mots. Qu'as-tu fait en ce jour? Si la mort venait à te frapper, maintenant je parle, où es-tu? En enfer ou au paradis? Parce que vous savez tous ici présents qu'après la mort, il y a deux chemins. On n'ira pas tous au paradis. Ça c'est faux. Parce qu'il m'a délivré la maladie. Il m'a délivré du péché. Son amour a touché mon cœur. J'aime les Arabes de l'amour de Dieu. Les Blancs de l'amour de Dieu. Les Arabes de l'amour de Dieu. Les Chinois de l'amour de Dieu. Mais toi, tu es raciste. Il a dit quoi, Jésus? D'aimer son prochain comme soi-même. Même ton bébé, tu l'as avorté. Beaucoup de femmes ici ont avorté. Elles ont tué. Et en France, avortement légalisé. Voilà pourquoi la terre va mal. Tu n'es pas rendu compte que Dieu a frappé Notre-Dame hier soir? C'est Dieu qui l'a frappé. Il n'est pas là-bas. Les gargouilles, tout ça, les monstres. Mais c'est quel Dieu vous priez, mes amis? C'est le diable qui a créé toutes vos religions là. Toutes les religions ont changé les apparences. Mais pas ton cœur. Tu n'as pas l'image de Dieu. Tu es encore dans le mensonge. Tu es encore dans la masturbation. Tu es encore dans la zoophilie. Tu es encore à regarder les fesses des filles. Ici, beaucoup l'ont fait. Beaucoup ils se l'ont fait.
Et tous les dimanches, ils vont prier à l'église. Alléluia. Alléluia. Et ils se massent toute la semaine. C'est pour ça que Jésus-Christ m'a délivré, moi. Voilà pourquoi je crie comme ça. Je suis libre. Il a changé ma vie. Il peut le faire pour toi. Il peut guérir ta maladie grave. Et le moyen que Dieu a trouvé pour nous sauver, ce n'est pas la religion. Le seul moyen que Dieu a trouvé pour nous pardonner de nos péchés, c'était la mort sur la croix. Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'on vive au ciel après la mort. Au ciel, pour l'éternité, mes amis. Quelle est l'espérance des hommes? L'argent. L'amour, l'amour de l'argent de l'homme, c'est quoi? Le sexe. La religion. Combien pensent que Dieu a créé la religion? Dieu, mes amis, s'appelle Jésus. La religion ne peut pas sauver un homme. Je vous dis la vérité, mes amis. La mort a tué Johnny. La mort a tué Michael. La mort va te tuer aussi, toi. Tu vas aller où? Ton âme ira où? Tu as déjà avorté. Tu trompes ton mari. Tu couches en mariage. Tu pratiques des rapports sexuels avec un homme, alors que tu es un homme. Dieu, mes amis, n'a pas créé tes fesses pour aller pratiquer des rapports sexuels. Il est temps que les hommes prennent conscience de leur état de cœur, leur état d'âme, au lieu de prendre plus soin de leur apparence physique. Mes amis, c'est le temps de connaître Jésus. C'est le temps d'abandonner les rapports sexuels en mariage. C'est le temps de se repentir des avortements. Vous croyez que les gros mots dans le paradis, quand tu as dit les gros mots, c'est l'enfer qui t'attend. Quand tu es raciste, quand tu es volé, quand tu es les films porno, c'est l'enfer qui vous attend. On t'a prêché un Dieu qui accepte le péché, mon Dieu est contre le péché. Et ce Dieu que je prêche, sa parole, c'est la Bible. La Bible est puissante, mes amis. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu deviens une bombe. Tu es le péché. S'il y a de grâce, tu ne comprends pas que c'est marié par les filles. Quand les filles me drapent, je fais, oh, je suis marié, laisse-moi tranquille, les filles, je suis marié. Voilà Jésus. Il te décule du péché. Il te décule des gros mots. Il te décule de la masturbation. Il te décule des wesh wesh. Et Jésus veut sauver les hommes enfers. Repentez-vous. Repentez-vous du péché. Sortez du mal. Sortez du péché. L'enfer est sous tes pieds. Et la Bible dit que Jésus est la résurrection et la vie. Et il t'aime, Jésus. Tu peux lui parler de ta chambre. Où tu veux, il va se révéler à toi. Jésus, c'est l'amour. Dieu pleure pour vos âmes. Dieu pleure pour vous. Parce que beaucoup parmi vous périront éternellement dans le feu. Mais la Bible dit qu'il y a une solution pour les hommes. Et la solution que j'ai trouvée dans la maladie qui a failli me tuer il y a 9 ans en arrière, c'est Jésus-Christ. Dans la Bible, tu dis quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort, en fait, c'est l'enfer. Ce que tu as semé sur terre, tu vas le moissonner, mon ami. Quand tu plantes la fraise, qu'est-ce qui pousse? La mécotie ou la fraise? La fraise. Quand tu plantes la pomme, qu'est-ce qui pousse? Le blé ou la pomme? La pomme. Quand tu sèmes le péché, l'adultère, divorce, masturbation, pédophilie, site de rencontre, fraude, vol, fellation, sodomie, mariage pour tous, fraude des trains, racisme. Tu sèmes le péché, tu vas récolter le jugement. C'est comme les braqueurs, quand ils braquent les banques, on les arrête, ils vont en prison. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. La parole de Dieu, c'est la Bible. Ce train a pour destination... Ils ont fait croire aux hommes que la Bible était trafiquée. Il desservira toutes les gares. Mon ami, tu penses que tu es bête afin de laisser aux pécheurs comme nous, des humains comme nous, trafiquer sa parole? Mon ami, tu sais pas qui est Dieu, mon ami? Tu sais qui est Dieu? Dieu est celui qui t'a formé de la poussière. Dieu est celui qui a mis ce cœur à gauche ici-là. Dieu est celui qui a créé l'intestin grêle, le côlon, tout ça, le pancréas, le foie, l'articulation, la rotule. C'est lui Dieu, mon ami. Donc si Dieu l'a créé, toi t'es qui toi?
Les humains, mes amis, pensent qu'ils sont intelligents avec le Master 40. Tu penses que l'homme est du singe. Pourtant, le singe est courbé, il mange des fourmis. Toi, t'es blond aux yeux bleus, comme un bourricot. On est du singe. La Bible dit que le diable est descendu chez les hommes, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps pour son jugement. Voilà pourquoi quand il est sur ce quai, il te pousse à fumer. Le diable te pousse à une jolie, à l'alcoolo. Le diable te pousse à te tatouer comme Neymar. Où est votre identité aujourd'hui? L'homme est un bourricot. Il crie au mon Dieu seulement qu'il a des problèmes. Tu t'habilles comme carénage. Regardez aujourd'hui l'accoutrement des femmes. Ils ont tout mis. Tout fait sale dehors. Tété dehors. On nous voit. Mais qui vous amène là? Vous ne vivez pas bon? Vous ne vivez pas bon? Vous ne repentez pas? Pour Jésus-Christ changer de vie? Ça vous choque, je parle. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas ce qui nous sauve. C'est la foi en Jésus. Je pense que le chaos dans le monde entier, la crise partout, le climat déréglé, en Guadeloupe, pour un regard, on vous tue entre propres frères. Ils n'ont pas besoin de posséder. Ils ont arraché l'eau à l'autre. Ils travaillent pour. Ils cherchent un travail pour faire. Ils ont trop feignants aussi en Guadeloupe. Feignants. Ils ont dit blala, blala, blala. Commencez à lever votre travail aussi. C'est vrai, j'étais comme ça auparavant, mais là, j'ai compris que Dieu, quand tu rencontres ton Créateur, il te donne de l'intelligence, la stabilité dans une vie. Seul Jésus peut te sauver. C'est chaud, c'est chaud. Regardez l'état du monde. Qu'est-ce que tu fais là? Mes amis, c'est un zoo. Carénage, c'est ici. Ils ont tout uni. Tu aimes draguer les hommes mariés. Tu couches avec les hommes mariés. La Bible dit que Jésus jugera vos péchés. Tu n'es même pas marié, tu couches avec les hommes. Tu n'es même pas marié, tu couches. Tu couches bien comme correctement. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Mais la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'il t'aime. Bon Dieu, mais tu m'as. Mais diable, aïe aïe aïe. Qu'a vous affiné? Zeb, zeb, zeb. Diable, qu'a fait bouer l'ox? Comme Bob Marley. Donc, comme zeb, zeb, zeb. Bravo malade. En Guadeloupe, tu as mis Amirati. Car Amirati fait bao. Réveillez-vous. Réveille-toi. Quittez. Kassav. Sous classe et celle médicament de lui. Je ne sais pas si vous malade. Mon médicament, c'est Jésus. C'est pas le zouk. Tous les samedis, je suis zouké, zouké. Et les azouké, madame. Pour quelque chose. Les pêcheurs vont écouter ici. Mais c'est bon, tu dis, il dit qu'on est pêcheur, ben c'est bien. Il reconnaît qu'il est pêcheur. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse. C'est bonne chose déjà. Quittez le mal. Quittez la délinquance. La pédophilie. Les hommes. Arrêtez l'adultère. Elle dit, madame, chérie, entre père est à là. Chérie, entre père est à là. Va dire la vérité à ta femme. Va le dire. Regardez l'état de ce monde. Plus rien ne tourne rond. Tout est misérable. Tout s'écroule. Voilà pourquoi, mes amis, nous vous annonçons la parole du Créateur, la parole du Sauveur, la parole de ce puissant qui est descendu sous forme humaine en la personne de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu mourras. Mais où ira ton âme? C'est la question que très peu se posent. C'est pour cela que la Bible nous demande d'annoncer aux pécheurs, d'annoncer aux morts l'évangile, la bonne nouvelle, la bonne parole du Sauveur. La nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. 3 jours après sa mort sur la croix, ressuscité des morts. On peut rire, mais devant la mort, on ne rit pas. On crie à lui. Mais il sera trop tard. Le monde est dans la dépravation. Il n'y a plus de moralité. Tout est tourné vers le mal. Aucune religion ne peut vous sauver. Seule la foi en Jésus vous sauvera, mes amis. L'homme ne pense qu'à coucher. L'homme ne pense qu'au sexe. L'homme ne pense qu'au péché.
la fellation, la drogue, les avortements, la pornographie, voilà ma génération, elle est misérable. La terre est finie. C'est pour cela que nous vous prêchons l'évangile, la parole du Sauveur, qui peut réformer ton cœur, qui peut réformer ta vie. L'heure est venue où les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Créateur en esprit et en vérité. Mais l'heure vient aussi où les fils de la rébellion, où les fils du malin, les fils du diable vont s'enfoncer dans le mal, dans le péché. Et mort pour nos péchés, afin que tu aies le salut de ton âme. Ton âme a besoin de Jésus. Quittez le péché, quittez la drogue, le mensonge, l'ivrognerie. Nous sommes dans un temps où le mal augmente, où le mal est prôné. Tu trompes ta femme, tu voles, tu fumes. Et de la Bible nous donne la solution aux hommes pour être sauvés. Et ce n'est pas la religion, ce n'est pas les statues, ce n'est pas la Vierge Marie, ce n'est pas les préceptes des hommes. C'est la foi en Jésus qui va te sauver, monsieur, madame. C'est la foi en Jésus qui te délivra de l'inceste, de la polygamie, la drogue, la fellation, les avortements, le vol. C'est bien beau de travailler, mais après ta mort, tu vas où? Où vas-tu après la mort? Dans le feu? Où là-haut au ciel de la paix, l'heure est terrible. Saint-Denis, le Créateur t'appelle. Celui qui a créé le monde t'appelle, Saint-Denis, à changer de vie, à changer de voie. Tu dois croire en sa parole, accepter la foi. Rappelle-toi, ne va dans aucune religion, aucune secte, car les religions sont des sectes. La preuve, toujours pécheur. La preuve, tu mens toujours. Tu voles. Des gros mots tous les jours. Ta mère, tu l'insultes. La police, tu les insultes. Mais tu penses, tu fais quoi là? Le bien est mal. Et ça, tu dis rien. Il ne faut pas que tu rates le coche. Parce que la mort peut te frapper à n'importe quel lieu. Et lorsque tu meurs, ton livre se ferme. Voilà pourquoi on veut te présenter le Créateur du monde. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est sans péché. Celui qui a su nous délivrer, nous, de l'adultère, du shit, la cigarette, le péché, le mensonge. On a rencontré l'amour parfait, le Créateur qui m'a créé, qui t'a aussi créé. Il a un nom et tu ne pourras pas le trouver dans une religion. Il y a plusieurs religions et un seul Créateur. Il y a un problème quelque part, mes amis. Lorsqu'on voit l'état du monde, on se demande est-ce que les hommes connaissent le Créateur? Parce que le Créateur du monde est saint. Et ce qu'il veut de toi, c'est que tu puisses l'adorer, que tu puisses l'aimer, que tu puisses obéir à sa parole, que tu arrêtes les avortements, que tu arrêtes de tricher, de forniquer, les petits copains, la cigarette, les films porno. Il veut te purifier, il veut purifier ton cœur. C'est pour cela que Jésus est venu mourir pour nos péchés sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, mes amis. Alléluia! On n'est pas musulmans, ni catholiques, ni évangéliques, ni protestants. On est les humains qui avons décidé de suivre la vérité. Et la vérité est dans Jean 14, 6 dans la Bible. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux le paradis? Crois en Jésus. Tu veux le paradis? Crois en sa parole. Tu veux devenir saint de cœur? Crois en Jésus. Il va t'apprendre à épouser une femme, pas 10, pas 3, pas 4, parce que sa parole dit qu'il a créé Adam et Ève. Pas de polygamie.